You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. We're all having fun, bathing in the sun. We're all building castles, castles in the sand. We're having fun, we're having fun. Fondée par Saint Guénolé à la fin du 5e siècle, l'abbaye de Landévennec connaît son âge d'or à l'époque carolingienne. Malgré les turpitudes du Moyen Âge et de la Révolution française, elle traverse le temps jusqu'à sa renaissance dans les années 1950 près de son site originel. Les fouilles archéologiques réalisées de 1978 à 2002 font de l'ancienne abbaye une référence pour l'étude de la vie monastique avant et après l'adoption de la règle de Saint-Benoît par les moines de Landévennec en 818. Elles ont aussi contribué à mieux comprendre l'histoire de la Bretagne du Haut Moyen-Âge à la Révolution. Avant 1947, retour des moines et reconstruction. Vers 1025, reconstruction de style roman. 13e au 16e siècle, pillage, destruction et reconstruction. 17e siècle, réforme bénédictine et encore reconstruction. 1790, monastère vendu de 20 carrières de pierre. Ouais. 1875, rachat par le comte de Chalus et création d'un jardin romantique. Plus d'une centaine de plantes ont été découvertes par les archéologues dans la cuisine et le réfectoire. Analysées par les carpologues, elles sont datées du 7e au 13e siècle. De provenance locale ou très lointaine, les manuscrits de l'Antiquité et de l'époque carolingienne ont permis d'identifier leurs utilisations culinaires, utilitaires
et surtout médicale dans les monastères du Haut Moyen-Âge. Par contre, là, d'autres fois, ben, les crêpes étaient plus faciles à faire. Et donc, ça collait pas. Peut-être que ça arrivait aussi de temps en temps, je sais pas. Hein. Et j'ai démarré sur une plaque comme ça. Mais pas sur le feu, bien sûr. We're having fun, we're having fun.
different fun.